Salut à tous, c'est François Tuffet pour Guitare Extrême Magazine. Je suis super content de réaliser ma première pédago pour Guitare Extrême. Aujourd'hui, on va travailler trois exercices différents mais qui sont liés à la technique de l'hybrid picking. Si vous n'êtes pas habitué à ça, vous allez voir, c'est pas forcément simple, surtout qu'il faut faire très attention à ce qui se passe, que ce soit au niveau de la main droite ou au niveau de la main gauche. Donc je vous invite à faire très attention, à travailler vraiment lentement les exercices que je vous propose. Au-delà de ça, à partir du deuxième exercice, vous allez vite vous rendre compte que, en plus, on travaille sur des bases harmoniques plutôt simples, mais qui sont super importants à connaître. Je pense à l'harmonisation de la gamme majeure, c'est vraiment un truc assez standard. Si vous le connaissez pas, déjà c'est pas trop tard. Si vous croyez que vous êtes nul en harmonie, c'est parce qu'en fait vous l'avez jamais vu, et en fait vous allez voir, c'est super simple. Je vous invite, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ce sujet, à aller directement sur mon site internet qui sera juste en dessous là, et vous n'hésitez pas, il y a un cours qui est disponible sur l'harmonisation de la gamme majeure qui explique tout, mais même aux plus débutants. Voilà. Donc maintenant on y va, premier exercice, à tout de suite. Donc, dans cette forme-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment voir ça de façon très schématique, comme tous les guitaristes le font, c'est qu'à chaque fois, le format va être le même. C'est qu'on va commencer par aller chercher notre fondamental, notre quinte, notre tierce majeure, à nouveau notre fondamental à l'octave, à deux ré, la quinte, et à nouveau la tierce. Pour le coup, là, c'est tierce majeure. Mais du coup, à chaque fois, c'est le même schéma. Si on passe en mineur, on va encore une fois avoir fondamental, quinte, tierce mineure, encore fondamental, quinte, tierce mineure. Et pareil avec l'accord diminué. Fondamental, B5, quinte diminuée, tierce mineure, fondamental, quinte diminuée et tierce mineure. Ok, donc comme je vous le disais dans l'intro, là ce qui va être intéressant, c'est que parmi ces enchaînements d'accords, enfin d'arpèges, en fait on a l'harmonisation de la gamme majeure. Donc on retrouve notre premier degré qui est majeur, deuxième degré mineur, troisième degré mineur, quatrième degré majeur, cinquième degré majeur, sixième degré mineur, septième degré, mineur B5 et on revient sur notre fondamentale, sur notre premier degré. Voilà les amis, donc dans ce dernier exemple, on rentre un petit peu plus dans le dur parce que évidemment on inclut les slides sur chacune de nos transitions d'arpèges. C'est pas simple, vraiment prenez le temps de le faire correctement, prenez le temps de le bosser à tempo lent. Là on était sur un tempo de 80 en 6-8. Donc même ça, si on n'a pas l'habitude de le bosser, c'est compliqué de le faire sonner. Donc prenez vraiment votre temps et je vous assure que vous allez pouvoir faire des trucs super cool et même les inclure dans vos impros et dans tous vos solos. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt. Ciao!